Environ 120 enfants ont reçu jeudi un vélo remis à neuf par les bénévoles du comité Récupère donc ton vélo. Cet organisme rend ce service depuis 12 ans déjà à des enfants provenant de familles qui n'ont pas toujours les moyens de s'offrir ce plaisir tout simple. C'est des vélos qui proviennent du service de la police de Sherbrooke, des vélos qui sont abandonnés volés et abandonnés sur la rue, tout ça, et qui ne sont pas réclamés. Et ils proviennent aussi de la population, pour lesquels on a une collecte annuelle qui a lieu au parc Lucien Blanchard le 2 juin prochain. Un casque est remis également, parce qu'on a à cœur la sécurité à vélo. Et je dois souligner, si vous me le permettez, l'apport des bénévoles qui jouent un rôle je dirais primordial. Je trouve que c'est un bon passe-temps. J'avais une certaine habileté au niveau de la mécanique des vélos. Donc, pendant l'hiver, à raison de 2 jours par semaine, bien, on se réunit dans l'atelier des vélos de l'école ici. On le démonte de A à Z, c'est-à-dire on démonte les roulements, on fait la lubrification des roulements et tout ça. On change des pneus si nécessaire, on change des pièces aussi. Si nécessaire. Donc, c'est 8 heures à peu près de travail. Ce sont les professeurs d'éducation physique et le Centre de santé et de services sociaux qui repèrent les enfants pouvant bénéficier du programme. Aujourd'hui, un groupe de jeunes immigrants était parmi les chanceux. Je vais avoir un nouveau vélo. Je suis très heureux. C'est un très gros cadeau parce que comme ils viennent d'arriver de leur pays ici, le budget familial est très restreint. Donc, pour eux, c'est vraiment là, comme si c'était Noël, même plusieurs Noëls accumulés ensemble.